Le président Idriss Déby Itno plaide pour la Centrafrique. Reçu ce lundi 5 octobre 2015 au palais de l'Élysée à Paris en France, par son homologue français François Hollande, le chef de l'État tchadien a rappelé l'importance d'organiser des élections en Centrafrique avant la fin de l'année. Nous avons, avec le président français Hollande, même position en ce qui concerne la RCA. Cette transition doit s'arrêter. Il faut une mauvaise élection et qu'une transition chancelante. Donc, que la communauté internationale trouve les moyens financiers nécessaires pour permettre à la transition de faire les élections avant la fin de l'année 2015. Le Tchad s'investit également dans le maintien de la paix dans la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Le président Idriss Déby Itno s'est impliqué dans la mission de maintien de la paix au Mali, mais se bat également aux côtés du Cameroun, du Nigeria, du Bénin et du Niger contre Boko Haram, en lourd investissement logistique, mais également financier. Les difficultés économiques et financières que connaît le Tchad aujourd'hui sont les conséquences directes de l'implication du Tchad dans les questions de sécurité de la sous-région. Lors de cette rencontre, les deux chefs d'État ont regretté la recrudescence des violences à Bangui en Centrafrique. Le président tchadien a ainsi, dans la capitale française, réitéré son soutien au pouvoir de la transition centrafricaine.